Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 177 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à World of Zoo. Alors World of Zoo, je sais pas du tout ce que c'est. Donc voilà, ça c'est dit, c'est fait. C'est un jeu, au départ j'ai cru que c'était World of Goo. Et en fait non, c'est World of Zoo, ça va parler d'animaux j'imagine. Et donc c'est parti, bon c'est la première fois que je le démarre. Donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, je vous laisse l'introduction. Alors, vu de la vidéo d'introduction, ça a l'air spécial. Donc, ça parle bien d'animaux. World of Zoo. Appuyez sur une touche pour commencer. Donc, on voit des animaux. Alors, commencer langue. Ouais, non, en français. Donc, on commence. Qu'est-ce qu'on prend comme animal? On va prendre des singes. Ils ont l'air sympas. Voilà. C'est l'heure de faire la fête, les petits singes. Voilà. Construire la zone. Un vrai festin. Alors, les petits singes enclos, nurserie, créer. On va peut-être créer un animal. On va essayer de voir ça. L'enclos. Ouais, donc en gros, ouais, voilà, il faut que. Là, c'est le jeu avoir un singe, ruine des singes. Ok. Ok, donc j'ai un singe. Voilà. Ouais, on peut le modifier. Qu'est-ce qu'on peut faire? Espèce. D'accord, on a trois espèces. Celui-là, il est sympa. Oh, j'ai du mal à parler ce matin. Et oui, nous sommes le matin. Information. Est-ce que je peux changer plus de trucs? Genre personnaliser. On va le faire grandir. Un grand singe. Voilà. Les oreilles. Ouais. Ah non, il faut le débloquer l'autre là. Ouais, on va garder les oreilles comme ça. Voilà. Bon, il y a tout un tas de choses à modifier. On va sauvegarder. Voilà, et on va jouer. Alors, action, menu zoom, suivre à droite, suivre à gauche. D'accord. D'accord. On va voir qu'est-ce que ça va être le but. Voilà. Ah, d'accord, il fallait que je clique. Je me disais aussi. Entraînement de gardien, non? Voilà. Pour obtenir un statut d'ami, on est animal. Tape sur le sol. L'animal te suit. D'accord. Tape sur l'objet. L'animal utilise l'objet. Ouais, bon, ça je l'avais à peu près deviné. Donc ça devrait être à peu près bon. On va voir ce que ça donne. Alors, voici notre singe, voici je ne sais pas quoi. Clique sur la jauge de cœur. Oh, il est mignon. Ah, il est très mignon. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce singe? Donc, on est dans une sorte d'enclos. Ouais, tiens, hop. D'accord, donc il avait une bulle. On vient de lui donner une sorte de jouet. Donc apparemment, on est une sorte de gardien d'animaux en fait. C'est du gardiennage d'animaux. Là, il a disparu mon singe. Ouh, le singe, où es-tu? Ah, et basé où? D'accord, génial. Ah, ça y ressort. Alors l'écran, je peux pas le bouger. Il suit automatiquement le singe. C'est-à-dire, je peux pas aller ni à droite ni à gauche. Mais en fait, ça reste sur le singe. J'essaye de l'appeler, de le faire aller un peu où je veux. Ouais. Ah ouais. Oula, qu'est-ce qui se passe? Oui, il est tout content le singe là. Oula. D'accord. Je savais pas que mon singe était tigrou. Hop là. Hop. C'est pas moi qui fais ça, hein. C'est lui qui joue tout, il saute comme ça tout seul. Hein. Ouais. D'accord, il fait quoi là?
Allez jouer avec ta balle, tout à l'heure tu m'as fait chier avec ta balle. Non, non, va pas là-bas. Ah, banane. Hop. Donc apparemment quand il a envie de quelque chose, faut lui donner. Voilà. Ah, il est content, regardez, il y a des cœurs en haut à gauche, des cœurs qui se remplissent, donc il doit être content. Alors on le lave. Voilà, encore plein de cœurs. Voilà, voilà. Allez, allez, fais péter les cœurs. Les cœurs montent, les cœurs montent. Voilà, gardien de singe junior. Voilà, c'est pas ce que je disais, j'étais un gardien de singe. Nouveau défi, ça c'est des objets qu'on a débloqués apparemment. Ajouter un autre animal. Non, un autre animal. J'ai inventé un nouveau mot, un animal. Alors, dans mon sac, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai tout un tas d'objets. Ça doit être à manger. Ah. Allez. Bon bah tant pis, c'est tombé par terre. Ah, d'ailleurs ça fait c'est quoi ce... Qu'est-ce que c'est qui est par terre? C'est une plante? Elle a poussé? Il a poussé mon fruit que j'ai laissé par terre, ça. Allez, viens là. Au pire, Rex. Arrête de vouloir jouer, c'est du nul. Allez. Bon, il gagne des cœurs, il a déjà 11 cœurs. On voit, ça doit être en haut à gauche, ça doit être la petite jauge en fait de cœur. Ah bah tiens, c'est quoi ça? Ça doit être une sorte de... Allez, tiens. J'essaie de, en fait, j'essaie de trouver comment on lance les trucs. Il l'a éclaté? Il vient d'éclater le ballon. D'accord. Bah va te laver. Voilà. Va dans l'eau. Là c'est vraiment sympa. On a un cadre assez... bah, plutôt pour les enfants évidemment. Je suis sûr que je m'amuserai pas non plus à jouer à ça. À jouer à ça toute la journée, mais ouais, disons que c'est sympa. Ah, il veut jouer au petit bonhomme là-bas. Ah, raté la bulle. Ah. Parce qu'en fait, il voulait ça. Derrière, il voulait autre chose. Oula, il est tout content. Merde, donc j'ai plus la bulle. Ouais. Je vais lui donner à manger. J'ai l'air d'avoir que à manger là mon sac, c'est bizarre. Hop. Je lui balance des bananes sur la tronche. Oh putain, il vient une chine patate. Oh mon dieu. Il vient de nous laisser un colombin par terre. Ah, qu'est-ce qu'il veut encore? Hop. Un super jouet pour tes animaux. Oh là là, ça c'est un jouet rebondissant ça. Comment il est content mon sac. Par contre, j'ai toujours une grosse bouse là par terre. Bon. En espérant qu'il en fasse pas toutes les 3 secondes. Il doit y avoir un moyen de les nettoyer, mais je l'ai pas encore trouvé. Singe de bronze. Qu'est-ce que j'ai gagné? Ah, c'est le singe qui est monté à niveau. Non, parce que je sais pas. Il m'a dit ouais. Ah merde, il a perdu son jouet. Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait? Et là, moi j'ai sa banane. Il est content. J'ai toujours le caca là que je sais pas quoi en faire. Bon, bah tant pis. Un gros caca. Allez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme objet? Friandises relaxantes. Des friandises avec des somnifères dedans. Lol. Ouais. Après, c'est sûr qu'on commence à s'emmerder. Hein. Oula, c'est quoi ça? C'est un truc qui avance tout seul. Ça a l'air de suivre mon singe. Voilà. Ça a l'air de lui casser les couilles plus qu'autre chose, quand même. Alors, comment je le remets? Hop, dans mon sac. C'est bon. Allez, je vais vous laisser les 5 minutes de gameplay là. Vous entendez bien, en plus la musique est entraînante. Donc, je vais jouer tranquillement. Allez, à dans 5 minutes. We'll be right back.
Nous revoici tous ensemble. Allez, ruine des singes. Donc là, j'ai gagné encore un truc niveau, je crois. Donc je peux créer un deuxième singe dans mon zoo, on va dire. Alors, un petit singe. Alors, on lui met... Oula, ça c'est des races qu'il faut payer. Donc je peux en acheter une. Par exemple, celle-là. On va dépenser 2 étoiles, j'en ai 17. Donc j'en vais avoir 15 maintenant. Voilà, alors est-ce qu'on peut donc les traits... Ah, on peut changer aussi sa personnalité. D'accord. On va rester sur du joueur à peu près violent. Voilà, grave. Voilà. Allez. Voilà, terminé, sauvegarder. Et donc si on joue maintenant, on devrait le voir aussi dans notre zoo, j'imagine. Et voilà, j'ai un deuxième singe. Alors, comme on peut remarquer tout à l'heure, bah, j'ai réussi à nettoyer le caca qu'il y avait, en fait. Il fallait chercher dans le sac, dans les différents endroits. Alors eux, ils sont chier là, mais bon. Faut changer un peu la musique. Histoire que ce soit un peu plus entraînant. Ah, il me fait un peu chier ce ballon là. Il fait du bruit, il casse les noix et tout, il suit tout le monde. Un ballon qui sert à rien. Alors on a du raisin maintenant. On a des ballons musicales. Oh, ah oui, il adore. Entraîneur de singes, 50%. Oh, ils sont plus contents les singes. Alors, est-ce que les cœurs valent pour les deux singes? Bah, vu qu'il n'y a qu'un seul icône en haut, j'imagine que oui. Alors, qu'est-ce que c'est la deuxième balle? Une balle hypnose. Ouais, vous en aurez rien à cirer, ils préfèrent la balle qui fait de la musique. 18 sur 423, c'est bon. Là, j'ai en train de me dire 18 sur 400, ça c'est beaucoup. Au début, c'était 50 pour monter. Tuyau d'arrosage. On va les arroser, tiens. Oh, il aime bien se faire arroser. Est-ce que l'autre, il aime bien se faire arroser aussi? Il est un peu loin. Ah ouais, il a l'air d'aimer. Ah non, mais c'est pas lui. Lui, il a pas fait de cœur, ça doit être l'autre qui fait, hein, qui s'éclate avec le ballon. L'autre, alors il est dans l'eau, on le lave avec de l'eau. Il doit être en train de se dire, putain, il me casse les noix. Tiens, mange ton machin qui te calme. C'est censé être le gâteau relaxant, donc voilà. Il est censé être calme normalement après. Bulle. Ah, là, on peut faire des bulles. Ils sont tout contents. Ouais, ils sont tout contents. Il y en a un qui est tout content, l'autre il est en train de dormir. Hop. Alors, est-ce que c'est mieux avec ou sans musique? Je sais pas. À voir, hein, par rapport à l'ambiance. Bah là, on est. Je suis en train de parler, donc je m'en fous un peu, mais c'est vrai que c'est plus entraînant quand vous êtes. Dans votre petit délire, vous mettez votre petite musique. Bah d'ailleurs, en fait, il y en a que 3 ou 2, je sais plus. Alors on a switché. Il n'avait pas 50. Tiens, prends du raisin, salaud. Allez, vas-y, mange. Ouais, il a mangé un grain de raisin. Gourmet singe, 40%.
Voilà. Donc les deux s'amusent. Hop, on remet un petit peu de musique. En fait, ça me manque au bout d'un moment. Voilà. Et on va s'arrêter là. Regardez, c'est quand même plutôt sympa comme jeu. En plus pour les enfants, comme je dirais. Et donc, bah voilà. Bon, ce sera tout donc pour World of Zoo. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.